Yo les gens, c'est Artfrag et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test du jeu Jeff the Killer, un jeu qui m'a été proposé par mon collègue Raver. Et avant de commencer, je voulais vite fait remercier Flid pour ses messages qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont vraiment motivé à faire d'autres vidéos. Donc Flid, c'est un membre du site Fanatic Game, un site que je viens de découvrir et que je trouve vraiment sympathique, avec une bonne communauté. C'est un site un peu à la Facebook, mais avec une grosse concentration de gamers et de gens vraiment sympathiques. Donc voilà, on va commencer. Donc si Raver m'a proposé ce jeu-là, je suppose que c'est pas pour rien. Ok. Alors déjà c'est assez glauque. D'accord. Un membre humain, génial. Donc est-ce que j'ai une flashlight? Non. Bon, j'essaierai d'augmenter la luminosité sur la vidéo si vous voyez pas grand chose, ce qui m'étonnerait pas. Alors, je sais pas du tout ce que je dois faire. On va se promener, hein, on va découvrir un peu. Oh. Moi qui ai l'habitude de regarder dans les toilettes, cette fois-ci, ça m'aurait servi à quelque chose. Ok. Ça commence bien. Ah oui, ils attaquent direct, ils sont comme ça. Bon. Ah ouais, mais non, là c'est hardcore. Hein. C'est hardcore, c'est quoi ce jeu? J'ai même pas de langue, j'ai rien. J'ose même pas passer les portes parce que... Ici. Hop. Un gun. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien. Non, j'ai pas de flashlight, mais j'ai un gun. Ça fera l'affaire. Ah. Où naît l'araignée? Bon. On peut reload? Non. Je sais pas combien il me reste de balles. Putain, c'est Screamerland ici, c'est pas possible. Door locked, require key to open. Ok, et la clé je l'ai pas trouvé non? J'ai pas d'inventaire non? Bon. Qu'est-ce que... Ok. Ouais, je prends en sorte que vous voyez quelque chose que là... Là, ça rend sombre. Même moi, j'ai du mal à y voir. Donc, je retoucherai avec, avec Sony Vegas pour... pour que vous puissiez y voir quelque chose. Ouais. Donc là, j'ai une clé et deux portes verrouillées. Et j'arrive à ouvrir aucune des deux. Ce qui m'avance pas beaucoup. Alors... Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que... J'ai entendu un bruit de clé. Ça se trouve, j'ai ramassé une clé, sans faire exprès. Ouais, on va essayer d'ouvrir les portes. La porte est ouverte.
Donc là je m'attends forcément à un screamer, hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Allez là je suis sûr là, allez, 3, 2, 1. Ah non. Aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut rien ramasser. Ah ouais, donc ce jeu fout littéralement la pression. Je vous cache pas que je me chie un peu dessus. Là on voit rien, on est vraiment rien. En plus j'ai un vieux contre-jour sur mon écran. Désolé, hein, je vois que dalle. Y a pas une porte là, je vois pas, c'est dans le noir. Hop, on va y aller reculer. Alors... Y a pas un levier, un machin truc là à faire. Ouais, je me suis pas renseigné sur le jeu, hein, sinon il y en a beaucoup qui le font, je trouve ça dommage qui arrive dans le jeu, ça a déjà tout ce qu'il faut faire, etc. Certes, vous galérez moins, mais bon, après c'est pas les mêmes réactions parce qu'ils savent déjà ce qui va se passer. Moi je veux vraiment garder... Ah, je vois rien, mais j'ai encore entendu un bruit de clé, surtout j'ai ramassé la clé pour la porte. Moi je regarde pas, je renseigne pas, comme ça au moins j'ai vraiment l'effet de surprise. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est vraiment un jeu de psychopathe, hein. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un petit jeu, il fait 50 et quelques mots. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ah merde, comment on fait pour sa copie, hein. Fuck. Non, comment je fais pour passer? Alors normalement, normalement pour s'accroupir dans un jeu c'est CTRL, voire ALT, un truc comme ça, et là... Attendez... Hop... Bien sûr, il n'y aura pas de setting pour pouvoir voir les touches. Ah! Donc c'est la touche C. C'est génial. Game complete. Et ben voilà, c'était Jeff T-Killer. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir à moi et à Raver. Et ou à lâcher un petit pouce vert comme vous voulez. Donc voilà, ciao.